sa tour d'ivoire, un électronicien calé. Pour changer le cours de l'histoire, c'est fait fabricant de pépé. Des grands luches de laboratoire, d'adorables petites mousmées. Doué d'esprit et de mémoire, de vraies minettes préfabriquées. Demain, le roi de l'univers aura un nom, Monsieur Cyber. Pourquoi un génie scientifique, un électronicien calé, au lieu de bombes atomiques, invente-t-il des pépés? Des grands luches dont le physique est un mélange bien dosé de toutes les créatures mythiques qui sur l'écran nous font rêver. Et quand tu lui demandes pourquoi, il te répond qu'il ne sait pas. À Panama ou à Pamplonne, sur le pourtour de toutes les mers, on peut admirer des mignonnes inventées par Monsieur Cyber. Peut-être que la belle suédoise de l'intellect et pas de cœur que tu as dragué à Pontoise n'est rien d'autre qu'un ordinateur. C'est bien possible après tout, même Monsieur Cyber, lui, il s'en fout. Le produit qu'il a inventé est fait pour être consommé. Enfermé dans sa tour d'ivoire, Monsieur Cyber a renoncé au tour du monde et à la gloire pour les beaux yeux d'une pépée. C'est pas dans un laboratoire que Mademoiselle Laura est née. Mais à deux pas du comptoir d'une boutique d'épicier. Et s'ils ont un petit cyber,